François Trinduc, joueur de rugby professionnel à Montpellier. J'ai 29 ans et je joue au rugby professionnel depuis 10 ans maintenant. Et je suis international de rugby. J'ai arbitré un match des jeunes au rugby pour l'instant. Donc ça s'est très bien passé. J'ai laissé beaucoup l'avantage parce que j'aime bien le jeu. J'ai laissé l'avantage et puis c'est intéressant de pouvoir se mettre à la place de l'arbitre, voir les moments où c'est difficile de prendre une décision, où c'est litigieux, même si les joueurs m'ont facilité la tâche. Et la correspondance aussi avec un vrai arbitre de rugby m'a permis de me faciliter la tâche. Ouais. C'est important pour moi et pour le rugby de partager des journées comme ça, déjà pour pouvoir échanger avec les arbitres, parce qu'on a peu l'occasion d'échanger, d'avoir leur ressenti, notre ressenti. C'est important d'échanger pour s'améliorer tous les deux. Et après, pour le plus grand nombre, pour les enfants, de pouvoir inculquer ces valeurs de respect, de solidarité, mais surtout auprès de l'arbitre qui fait partie intégrante du jeu. Donc on a besoin d'un arbitre pour remplir les stades, pour qu'il y ait du jeu, du spectacle. Donc voilà, faire comprendre que l'arbitre fait partie du jeu et que c'est un humain, il a le droit de se tromper, même si on est tous des compétiteurs et qu'on a envie qu'il se trompe le moins possible. Mais voilà, en tout cas il s'entraîne dur et c'est important pour le spectacle et pour le jeu. On n'a pas besoin de se mettre derrière le sifflet, on sait que c'est compliqué, notamment dans le rugby, il y a beaucoup de règles compliquées qui sont à la décision de l'arbitre, à l'appréciation de l'arbitre. Forcément, c'est encore plus dur que dans d'autres sports où c'est plus simple à arbitrer. Il y a ce respect. C'est sûr que parfois, quand il y a des enjeux énormes, il y a quelques dérives, malheureusement. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, l'arbitre est assez bien respecté. Enfin, faudra leur demander. Ben moi, quand je suis capitaine, j'échange beaucoup avec eux. Après, c'est souvent le capitaine qui échange avec l'arbitre, parce que si 30 joueurs au rugby se mettent à communiquer avec l'arbitre, on s'en sort plus. Et quand je suis pas capitaine, j'essaye de donner mon avis. Après, je suis quelqu'un qui... Je suis râleur, mais on en rigole, donc ça va. Mais c'est vrai que... Quand on est sur le terrain, quand on a envie de gagner, d'être le meilleur, de gagner tous les matchs, forcément, des fois, on râle et ça fait partie du jeu. Mais après, ça n'empêche qu'il y a beaucoup de respect entre nous et ça fait partie du jeu.